Yo les gars, c'est Jérémy, mais comment vous allez depuis le temps? Comment vous allez? Ouais, c'est vrai qu'en ce moment j'étais un petit peu occupé, dès que j'avais un peu de temps libre, c'était plus Apex que Castle Clash. Et aujourd'hui on vient d'avoir la mise à jour, mais mon dieu, c'est quoi cette mise à jour? Je crois que j'étais pas prêt. J'ai pas vraiment fait attention au sneak peek qu'il y avait sur les Discord du officiel du jeu pour les nouveautés. Mais là, grosse surprise, déjà l'interface qui a totalement changé, c'est dégueulasse. Franchement, c'est... Enfin, visuellement, c'est pas beau, il y a trop d'icônes, ils sont trop gros, ça prend toute la place, tu vois presque plus rien en plein milieu. Là, tout en bas, là, ça me fait un rectangle noir, tu sais pas pourquoi il y a ça. Quand tu cliques dessus, t'as accès au chat. Mais bon, enfin, plus ça, oh, à la rigueur. Ouais, ça c'était récompense de mise à jour. Mais c'est moche, ça fait tout un tas de trucs. Les gemmes, je sais pas, ça ressemble un petit peu à tout ce qui est sur Clash Royale, non? Clash of Clans. Voilà, j'ai l'impression de retrouver sur une interface Clash of Clans. Je sais pas du tout pourquoi ils ont fait un truc pareil. Enfin, c'est moche, ça fait plein de gros onglets partout. Là, les médaillons, entrepôts, recruter héros. C'est moche, enfin, d'avoir tout ça. T'as un truc combat qui est énorme en plein milieu. Bon, avant t'avais échoppe, mais. Bah je sais pas, je déteste, j'aime pas du tout, c'est comme les tirages de héros, j'aime pas du tout comment c'est fait. Non, franchement là, c'est nul, enfin plus t'avances, plus c'est nul. C'est quand même fort. Bon enfin bref, du coup, dans les nouveautés, on a un héros. Alors maintenant, il va falloir que je retrouve où c'est, en plus mon jeu il a du mal à recruter héros, on devrait peut-être trouver là-dedans. Non. Bah du coup, je m'y perds, je me retrouve totalement à zéro. Alors comment est-ce que je vais dans le guide? Il est où le guide? Ah ouais, d'accord, mon dieu, c'est le petit bouquin là qu'il y a de ce côté-là. Ici, vous le voyez, ouais, vous voyez ma souris. Là, le petit bouquin, t'as affaire au héros. Et franchement, j'ai eu du mal à la trouver. Bon, d'après ce que j'ai vu, c'est encore une fois un truc pas dingue. C'est une sorte de matrone cendrée, il me semble amélioré. Bon, parce qu'elle aura plus de vie. Bon, son visuel, il est plutôt sympa. Mais c'est un héros qui inflige des dégâts en ligne droite. Voilà, inflige 1300% de dégâts en ligne droite. Ok, pendant 4 secondes, augmente leurs dégâts reçus. Donc, faut encore qu'elle touche quelqu'un, hein, parce qu'en ligne droite. Le nombre de cibles touchées va pas être énorme. Réduit fortement leur résistance critique. Bon, s'il y a plusieurs héros, c'est intéressant, mais bon, autant dire qu'il y a un seul héros qui va être touché. Hein. Si c'est une ligne droite comme une lance, comme on a déjà vu, ça va pas être fou. Et augmente les dommages critiques de 6 héros amis. Ça, c'est pas mal. De 6 héros de 76% pendant 4 secondes. Et retire 20 énergie à un héros ennemi proche toutes les 0,5 secondes. Bon, ça reste. Correct mais pas fou. Ce héros est immunisé au silence, ça c'est une bonne chose, et ne peut recevoir plus de 40 000 de dégâts. Ça c'est bien aussi. Bon après elle récupère un peu de PV, ok. Mais bon, un héros qui fait des dégâts en ligne droite, ça va pas être fou. Un soutien à la rigueur, mais un soutien. Bon là elle change juste de couleur. Bon c'est correct à part ça, mais sinon pas foufou. Le terme de PV, c'est dans la moyenne basse, j'ai l'impression. Et en termes de dégâts de base, moyenne basse aussi quoi. Elle fait 6500. Alors qu'ils sont tous à 7000, il y a, ouais, bon, c'est la plus nulle en attaque de base depuis le golem. Bon, le golem, son attaque, ça va, il cible tous les ennemis autour, à la rigueur, pas un seul. Bon, enfin, voilà pour un des héros qui vient d'arriver. Alors, par contre, la grosse nouveauté que je n'avais pas vu arriver, c'est que maintenant, on peut mettre l'héros en super évo 40. C'est déjà hyper dur de mettre une super évo 35, je mets des plombes, et malgré que j'ai la chance d'avoir des gros coups de pouce. Et là, ouais, tu peux aller à un niveau supérieur. Maintenant, tu fais embraser. Donc là, rien que le truc, là, ça te coûte 1400 ici. Et 1 million, ouais, 269 000 insignes d'honneur. Rien que le premier niveau pour la Super Evo 36. Rien que ce petit-là. Alors du coup, on a Panda qui nous a partagé un petit tableau. Donc voilà, je vous partage sur le Discord, n'hésitez pas, j'essaye de ne pas oublier de le mettre en description, le lien du Discord. Sinon sur mes rediffs de mon dernier live, il y aura le lien du Discord, il n'y a pas de problème. Donc Panda est très investi, encore merci à toi. Qui nous fait le petit calcul de toutes les super Evo, il nous fait un petit récap. Et notamment, vous voyez, enfin, j'espère que c'est assez lisible, je pense que oui. Bon sinon je vais vous le dire, pour passer de 35 à 40. Alors juste ce niveau-là, 35 à 40, il va falloir 8700 livres. D'or, c'est déjà un paquet. 8700 livres d'or. Il va te falloir 37 millions d'insignes d'honneur. C'est du délire. Donc, il va falloir vendre
pour avoir autant d'IH, je sais plus, il avait dit dans un des salons, mais j'ai pas réussi à le retrouver. Mais en gros, faudra vendre à peu près 2007, 3000 livres d'or. Il va falloir vendre tout ça si tu veux avoir autant d'IH. Donc autant dire que ça fait déjà plus de 10 000 livres. Facile. Tu vas être à 11, 12 000 livres. Tranquille. Juste pour 1 euro. Il va falloir 53 000 pierres d'embrasement. Ça, c'est du délire. En fait, le niveau avant, c'est 4, 9, 17. Et là, car c'est pas un x2, c'est carrément un x3. Donc 53 000. Du délire. Les pierres de zénith, il va falloir les rouges qu'on a. Il va falloir 15 000. Les pierres d'apogée, qui sont déjà pas évidentes, 8 000. Alors que déjà, ça part assez vite pour les 20 à 30 et c'est 1200. Là, il va falloir 8 000. Et 2470 roches karmiques, enfin roches magmatiques. Alors, et 2470 roches, c'est la nouvelle roche qui est disponible, qui va être disponible bientôt dans nos ressources. Mais 2000, et rien que les 1500 pour les rubis de synthèse, c'est impossible à avoir sans mettre une fortune en achat de ressources. Sinon, il va falloir plus de un mois, plus d'un mois, si encore c'est à la chance. Avec leur nouveau système, il va falloir plus d'un mois de défense en équipe. Parce qu'à la rigueur, avant, tu pouvais faire des failles hurlantes tous les jours, mais maintenant, tu ne peux plus les faire tous les jours. Donc, les rubis de synthèse, c'est encore plus loin à avoir. Déjà, 1500, c'était pas évident. Et là, il t'en faudrait 2004 pour la nouvelle roche. En plus, elle va coûter une blinde, ça c'est sûr. Tu pourras pas l'avoir en faille hurlante. Dur. Dur de ce côté-là. Voilà pour une des nouveautés tristes. Franchement, moi, ça commence à m'assassiner, hein, ces mises à jour. Déjà que c'est pas évident de réussir à rester motivé parce que, en fait, c'est bien la fusion. Tu joues avec pas mal de monde, tu rejoues avec des potes, c'est cool. Mais en fait, t'as plus l'impression de jouer pour rien parce que c'est. Tu fais des arènes, tu vas. Si t'as la chance, tu fais un top 500. Après, tu redescends 14 000 en un rien de temps. Les archidémons, il va falloir. Il y a quoi? Il y a 10 pages de mecs qui arrivent à faire des x8. Donc, à nos niveaux, on va faire un. Tout juste x7, j'ai réussi à faire x6,5, peut-être x7, mais en x7 je vais me retrouver dans les pareil dans les millièmes et encore je pense un peu plus. Enfin, tu te retrouves mais loin du classement partout, c'est encore plus dur qu'avant en fait. Et malgré tout, on te rajoute des ressources qui vont te coûter une blinde avec les nouvelles roches magmatiques. Et les packs sont encore plus chers qu'avant, donc c'est trop là, mais là c'est trop. En plus, le jeu il est devenu, l'interface est devenue moche et tout. C'est trop. Bon, alors il va falloir que je retrouve autre chose. Talent et badge. Ah, il y en a deux nouveaux qui se sont ajoutés. Ça, c'est un badge carré. Voilà, on le voit bien ici, hein, badge carré. Donc, au niveau 10, réduit les dégâts reçus de 70%. Bon, c'est intéressant sans être monstrueux. Toutes les 6 secondes, inhibe 2 héros ennemis pendant 3 secondes. Ça rajoute encore de l'inhibé supplémentaire. Attends, ça va être impossible de déclencher. Mais je pense que pour les vagues, ça risque d'être cool. Pour ceux qui veulent s'y mettre, parce que ça fait une réduction de dégâts. Donc ça, c'est intéressant. Et encore de l'inhibé supplémentaire, ça peut être intéressant. Et ça va être un badge normal. Un talent et un badge. Donc augmente l'esquive de 55%. Chaque fois que ce héros esquive, il a 30% de chance d'ajouter 0,5 secondes au temps de recharge de la prochaine compétence de la cible de son attaque actuelle. Oh putain, c'est chiant ça. Peut s'accumuler. Ouais, en gros, ça permet. T'as 30% de chance de mettre un tout petit peu plus de temps de cooldown à ton ennemi. Ouais, bon, ça c'est vraiment pas dingue. Là, on peut déjà oublier. Et c'est ce qu'on l'avait déjà? Je crois qu'on l'avait déjà, ouais. Augmente l'attaque de 120% et. Ok, ouais. Bon, ça on l'avait déjà. Dans les skins du nouveau héros, je sais pas si je vais réussir à le trouver facilement. Oui, non, non. Bah, j'ai pas l'impression qu'il y a de skins sur le nouveau héros parce que là, ça m'a l'air à peu près dans l'ordre. Ah non, là, c'est les skins que j'ai déjà. Bon, on va essayer de chercher. Alors, où est-ce que va pouvoir être la petite fée là? Bon, même si je pense que c'est pas forcément le plus intéressant dans le lot. La petite fée, la petite fée. Enfin, petite fée, non, je vais même pas regarder son nom là. Si, on approche la fluturelle. Ça va augmenter ses PV de 10 000 et son attaque de 400. Bon, c'est pas dingue non plus, tu vois, comparé à lui où tu gagnes deux fois plus. Bon, c'est une petite moyenne, voilà, c'est bon, c'est assez stylé, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les nouveautés?
Alors, dans les nouveautés supplémentaires que j'ai pas réussi à trouver de mon côté, mais Panda nous a partagé, il y a des nouveaux équipements aussi, alors, des nouvelles chaînes et chaînes de pur sang. Réduit les dégâts reçus de 20% lorsqu'il est équipé, c'est intéressant. Et le collier des crocs, voilà, ça va augmenter l'attaque, j'imagine, augmente les dégâts reçus par la cible de l'attaque de 30%. Ah, ça, c'est bien de ce genre de d'avantages avec des équipements, je pense, pour les archidémons et en tout genre. Hein, je pense que pour pas mal de modes, ça va pouvoir augmenter les dégâts reçus et là, réduire les dégâts reçus, ça fait un bon enchaînement si tu veux un bon petit équilibrage au niveau de tes héros. Il y a de quoi faire. Bon, après, c'est toujours pareil. Pour pouvoir monter tes équipements, bah, c'est pareil. Hein, ça, c'est une blinde en gemme. Voilà. Et nous allons également remercier. Il faut pas oublier. Attention, attention. Gemme contre pack. Ici, pour un gemme, tu as un booster pack. Alors, avec le booster pack, tu auras 1000 pierres d'embrasement, 20 rubis avec lequel tu pourras rien faire. 3 runes de talent avec lesquelles tu pourras rien faire. 50. Bah, en fait, c'est booster. Booster moyen quand même. Franchement, c'est vraiment. Tenez le petit peuple, v'là des miettes. Ah, je suis vénère contre le jeu en ce moment. J'en peux plus. Franchement, entre c'est du foutage de gueule. Les packs, les récompenses, leur boost à 2 balles. J'ai même pas envie de dépenser un gemme pour ça. Leur boost. Leurs packs qui sont devenus encore plus chers. Et le héros, là, bon, 5 sur 5, 20 euros pour ça, quoi. 20 euros et. Oh, j'en peux plus. Franchement, là c'est dur. Bon, les GDG, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire de live et ça se passe encore à peu près bien. Mais bon, l'île flottante qui change pas. Hein. Bon, les cadeaux, les trucs. Oh, j'en peux plein. L'interface qui. Enfin bref, je crois que je referai une vidéo spéciale à ce sujet. Donc pour les petites nouveautés, voilà, que si jamais vous n'avez pas tout vu, j'ai peut-être pas tout vu non plus. Donc c'est l'occasion d'en parler dans les commentaires. Tirage gratuit, oui. Dans ça non plus, hein, ça n'a pas changé. Hein. Oh, Spirita, énorme. Spirita. Et là, en gemme gratuit, bon, ça va mettre quoi? Ça va mettre des pubs. Oh, bah, j'ai le truc des Tapjoy qui est revenu. Ah bah dis donc. Faites un dépôt de 10 euros. Oui, bah, y a pas de problème. Quand tu veux. Ouais, des Tapjoy qui sont revenus. Eh ben écoute, ça c'est une bonne nouvelle pour les free-to-play, et, ou ceux qui ne l'avaient plus, ou même ceux qui n'étaient pas free-to-play, qui ne pouvaient pas. Voilà, tu tapes sur le truc gratuit et tu as de nouveau accès au Tapjoy. C'est une bonne nouvelle, mais ça va pas suffire à me réchauffer quand même. Ça va pas suffire à me réchauffer. Voilà, mais en tout cas, j'espère que de votre côté, ça va aller, parce que je sais que la motivation générale n'est pas de beau fixe. De mon côté, c'est pareil. Et on verra quoi, cette interface, j'en peux plus aider. C'est trop cher. C'est déjà 35, j'étais pas encore dans une période où j'arrivais à m'y faire. Mais là, 30, enfin 40, en triplant, quadruplant toutes les ressources, bon, faut arrêter le délire, quoi. Faut arrêter le délire. Surtout que là, tu peux pas le faire tous les jours. Non, c'est bon. En plus, je clique sur défense, j'arrive là-dessus. Putain, c'est con quand même. Enfin bref, voilà. On se dit à très vite, tchuss.